Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jessica et Thibaut. Il y a quelques jours, le compte Instagram qui se présente comme étant la cousine de Maëva Guénam a balancé une bombe. Elle assure que Thibaut aurait trompé Jessica avec Lily Dubaï, l'ex-maîtresse de Laurent. Selon la cousine de Maëva, ils auraient eu une aventure après le tournage d'un clip. Toutefois, tout ça ne repose sur aucune preuve, pour le moment en tout cas. Hier, Lily Dubaï a décidé de prendre la parole pour réagir à ces rumeurs. Alors, a-t-elle vraiment eu une relation avec Thibaut? Elle répond très clairement. Par ailleurs, il y a quelques jours, Jessica avait révélé que lors de sa dernière grossesse, elle s'était séparée de Thibaut. Elle raconte tout ce qu'il s'est passé entre eux dans son dernier livre. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Taki, Kat et Anifa qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Il a croisé Thibaut et Jessica. Thibaut, il m'a jamais regardé. Ses yeux, il les a jamais posés sur moi, en fait. Arrêtez d'inventer des trucs comme ça. Je les connais pas, Jessica et Thibaut. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment bien. Quand je les ai croisés aux mêmes tables que moi à Dubaï il y a des années, ils m'ont jamais mal regardé. Ils m'ont même pas regardé tout court, en fait. Ils m'ont jamais calculé. Pourquoi vous les mettez dans une sauce avec moi? Je trouve que c'est horrible ce que vous faites. Enfin bref, tout ça pour vous dire, c'est que des rumeurs, c'est que des conneries. Je voulais vraiment pas m'exprimer à ce sujet, mais en fait, j'en ai marre de recevoir des messages tous les jours. Je reçois des menaces, les gens ils m'insultent, mais j'ai jamais eu une relation avec Thibaut. Voilà, comme ça c'est dit, je suis un peu pompette, je suis un peu bourrée, et je vous le dis, il n'y a rien de tout ça. Donc, faut arrêter en fait. Mon changement de vie, mes galères pour tomber enceinte, mes galères de grossesse, mes galères de couple, j'ai que de la merde. La dernière fois, mon mari, il lisait mon livre et puis après, il m'en gagne, il fait mais on a vraiment galéré. Il me disait, on a vraiment galéré quoi. C'est vrai que, voilà, je vous ai tout raconté dans mon livre parce que, certes, sur Snap, sur les réseaux, bah, des fois, on coupe et il y a des choses qu'on ne dit pas parce que c'est un peu compliqué. Et on vous dit beaucoup de choses déjà, mais il y a des choses aussi qu'on ne dit pas. Notamment quand je me suis séparée de mon mari, hein, enceinte et tout, donc voilà, donc tout ça je l'ai gardé secret, c'était très dur parce qu'en plus en pleine grossesse, voilà les ressentis de quand j'étais à l'hôpital. Vous avez aussi la deuxième fois que j'ai réanimé mon fils, Mylon, quelque chose que je n'ai jamais raconté, donc que j'ai pas dit. Voilà, tout est raconté en fait. À la base, ce livre c'était mon journal intime que j'écrivais. J'écrivais tous les jours parce que le temps il était très long, il était très très long, mon dieu, c'était long. D'ailleurs, je vous donne des petits conseils dedans pour les personnes qui sont alitées, parce que du coup, je suis une pro de l'alitement. Je suis restée 4, 5, 6, 7 mois alitée au total dans ma life, donc autant vous dire que les combines pour passer le temps, j'en ai. Bref, franchement, je vous ai tout raconté à cœur ouvert parce que bah, je trouve que c'est pas une honte et je trouve qu'on se rend pas compte que... Bah,
Voilà, les hormones, tout ça, le corps, beaucoup de choses changent. En plus de ça, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je pensais trop qu'avoir des enfants, c'était facile. Je pensais même pas d'ailleurs que j'allais galérer, que j'allais attendre. Enfin, parce que je vais vous raconter que j'ai pas eu un enfant en un claquement de doigts. Et voilà. Et en fait, je trouve que ben, on a trop l'idée de la femme d'Instagram sur la femme parfaite, pardon, sur Instagram avec le beau ventre, la gender reveal, tout est beau, tout est magnifique. Et au final, ben non, quoi. Donc voilà, il y en a qui s'arrivent, bien sûr. Moi, c'est pas le cas. Et en tout cas, je vous ai tout raconté à cœur ouvert, sans tabou, sans.